RTCI nous réunit. L'invité du jour. L'invité de la matinale, Madame Lobna Bensmaïl, la présidente de l'association tunisienne de soutien aux femmes rondes. Et ce matin, nous allons parler de beauté, nous allons parler de femmes et nous allons parler du concours Miss Tunisie Ronde 2017. Bonjour. Bonjour, ça va? Oui, ça va très bien. Et vous? Alors, le concours Miss Tunisie, Miss Ronde 2017 se prépare ces jours-ci. Déjà en cours de faire le casting. Voilà. C'est la deuxième édition. Mm-hmm, cette la année. Première édition, c'était en 2016. Mm-hmm. Donc, on est en train de préparer voilà. La deuxième. Voilà, tout à l'heure, on va parler du concours, des étapes, des critères de sélection, tout cela. Mais avant cela, on va parler de l'association tunisienne de soutien aux femmes rondes. Vous êtes la présidente de l'association. Est-ce que vous pouvez nous donner les raisons qui vous ont poussé à créer cette association? Parce que vous l'avez vous-même, vous l'avez créée. Donc, pourquoi vous l'avez créée et quelle est, on va dire, sa principale mission? D'accord. J'ai participé déjà en 2015 dans un concours de beauté international mm-hmm. au Liban. Mm-hmm. C'était le Miss Big Beauty Arabian. Mm-hmm. C'était en 2015. Mm-hmm. Donc l'association, c'était mon projet en 2015, après D'accord. ma participation. D'accord. Donc j'ai fondé l'association fin mm-hmm. 2015 et j'ai décidé d'améliorer le projet mm-hmm. et de travailler, de créer le concours national mm-hmm. à Tunis. D'accord. Donc, c'est ça. Mais est-ce que vous présentez, par exemple, est-ce que vous aidez, vous essayez d'expliquer? Parce que parfois, on sait, certaines personnes ou certaines femmes, du moins, ne se sentent pas à l'aise quand elles ont quelques kilos de trop. Est-ce que vous oui. essayez de sensibiliser hein, les femmes, les jeunes filles par rapport à cela? Est-ce que vous pouvez les aider à accepter hein, leur morphologie, leur corps? Oui, bien sûr, c'est notre but déjà, mm-hmm. De créer la confiance en soi chez les femmes complexées, parce qu'on sait déjà que la femme ronde, elle souffre quoi, de tout ce qui est discrimination physique. Donc les activités choisies mm-hmm. dans l'association, ce sont des activités à la base artistique. Ce ne sont pas D'accord. des activités juste psychologiques et psychiques pour aider la femme en tant qu'handicap ou bien oui. Elle a un problème. Donc, on travaille sur des activités artistiques. Mm-hmm. Par exemple, on essaye de créer des modèles et des mannequins grand taille. D'accord. On donne des astuces de beauté, des astuces de la mode grand taille mm-hmm. à travers des shootings professionnels. D'accord. Donc, et bien sûr, on travaille sur tout ce qui est la touche tunisienne, mm-hmm. la touche tunisienne, tout ce qui est traditionnel, les habits traditionnels et tout. Mm-hmm. Donc, le dernier shooting, on a travaillé sur le tricot Fadila mm-hmm. avec le street style avec un thème de graffiti et tout. Mm-hmm. La première édition. Le défilé de mode, c'était avec des maillots avec le harem, D'accord. les cache-maillots et des maillots avec le harem tunisien. Mm-hmm. Donc, on essaye d'aider les femmes oui. côté de vous êtes à un problème. Oui, ah, yeah. déjà, c'est pour essayer de on va dire de profiter, hein, et pourquoi pas, en tout cas, ce n'est pas si mal que ça, les rondeurs. En fait, bien sûr. C'est ça ajoute de la féminité, on peut dire ça, c'est de la féminité. On est rendu fière oui, déjà. Voilà. Et parfois même, là on peut ouvrir une toute petite parenthèse par rapport aux marques de vêtements, même en ce qui concerne les tailles 40 ou les tailles 42, on ne trouve pas, on n'arrive pas à les trouver. C'est généralement des marques qui... adresse ou c'est plus des tailles, des petites tailles, genre taille 36, taille 38, et quand on est taille 40 ou 42 et on ne trouve pas le pantalon, déjà on se sent mal à l'aise, et comme si c'est... pas le taille 40.
40 et 42. Il y a des tailles plus que le 42, oui, mais déjà, le 44, 46 oui. et le 48. Oui. Déjà, c'est un problème de trouver le choix. Mm-hmm. Même tu trouves une marque internationale comme n'importe quelle marque, donc basée à l'échelle internationale. Mm-hmm. Elle travaille tout ce qui est grand taille, mais à Tunis, il n'y a pas. Oui, à Tunis, c'est pour ça que j'ai dit, je ne sais pas pourquoi, certaines marques, on ne peut trouver que des tailles, des petites tailles, genre taille 36, taille 38, c'est tout. Parce que nous sommes les Tunisiennes. Alors, on va se concentrer sur le concours. D'abord, on va dire la soirée d'élection Miss Ronde 2017 aura lieu quand, déjà? On n'a pas encore fixé les dates précises, mm-hmm. parce qu'on est dans la première phase déjà, c'est la sélection, le casting. Mm-hmm. Ça sera affiché bientôt sur notre page mm-hmm. officielle mm-hmm. et sur la page fin. Mm-hmm. Donc, on n'a pas encore fixé les dates. Vous n'avez pas encore fixé la date. L'année dernière, c'était le 1er avril. Le 1er avril, oui. C'était le lancement au château de la Médina. Hamdine mm-hmm. Al-Arbi, oui. c'est une maison d'hôtes. Mm-hmm. Et la soirée finale à Hôtel Kiops. C'est pas grave. Alors, le concours Miss Ronde 2017, qui peut participer déjà? Quels sont les critères de sélection? Les critères de sélection, être ronde, belle et surtout bien cultivée, mm-hmm. parce qu'on choisit selon, après, c'est pas seulement selon des critères de les rondeurs et la morphologie. La morphologie et tout. Donc, on choisit selon les morphologies. D'accord. Des différentes morphologies, mm-hmm. des différentes rondeurs, des différentes beautés. Donc, on essaye de... Mm-hmm. Comment dirais-je? C'est-à-dire, il n'y a pas, y a pas un de critère précis. Il n'y a pas des mensurations exactes pour le voilà. concours. Voilà. C'est selon les femmes, selon les filles, selon les morphologies. Bien et sûr. Là, vous choisissez celle qui peut participer. À partir de quel âge peut-on participer? 18 ans. Voilà. 18 ans. Alors, combien de candidates allez-vous retenir pour le concours final? 12 candidates, normalement. Mm-hmm. Je veux surtout le territoire tunisien. Mm-hmm. Chaque candidate présente son pays. Mais on va mettre... Sa région, oui. Si. Voilà. Sa région. Quelles sont les étapes du concours? Vous avez déjà entamé la première étape, élections. La sélection des candidats. Le casting et tout. Oui. Après, il y a il y a des coachings, mm-hmm. des formations pour les Miss. Mm-hmm. Tout ce qui est des activités coaching, de développement personnel, des coachs de vie, tout ce qui est théâtre, communication, des ateliers de théâtre, mm-hmm. d'artistique, quoi. Donc, et surtout, il y a un suivi à mm-hmm. partir à travers un nutritionniste. D'accord. Un styliste aussi. Mm-hmm. Elle va préparer la collection. Mm-hmm. Donc. Que les filles vont porter lors de la soirée finale. D'accord. Il y a un stage bloqué avant le casting. Mm-hmm. Donc, le stage de la formation, de coaching et tout. D'accord. Alors, à partir de la date où vous allez terminer la sélection des participants, c'est combien de temps? Un mois. D'accord. Un mois et demi. Voilà. Alors, évidemment, on va parler des membres du jury du concours Miss Ronde 2017. Qui sont? Est-ce que vous pouvez nous donner des noms? D'accord. Le concours, déjà, l'année dernière. L'édition oui. dernière, donc il y a Hela Zawedi, journaliste, mm-hmm. Elle présente la femme ronde. Oui. Emir Dridi, c'est ça, mm-hmm. c'est un animateur aussi. Mm-hmm. Il y a aussi Miss Tunisie, Marwa Alhenni. Mm-hmm. Elle a le sponsor de make-up. Oui. Madame Myriam. Voilà. Et vous avez participé vous-même l'année dernière à ce concours.
Non, c'est moi l'organisatrice. D'accord. C'est moi qui ai organisé. Donc moi, j'ai participé l'année, en 2015 déjà. D'accord. Au Liban et après, j'ai organisé mon... Pourquoi pas ne pas l'organiser en Tunisie? Cette année, au Tobago. Mm-hmm. Inch'Allah. Mm-hmm. L'Amérique, c'est un concours international, Miss Rand Univers. Je vais présenter l'Égypte. D'accord. Eh bien, c'est bien. Donc, on est de tout cœur avec vous, Lobna Mesmaïl, et on vous souhaite beaucoup de courage. Merci. Alors, pour les participantes, et on va parler du concours, de la journée du concours final, les participantes, elles doivent avoir un projet, évidemment. Oui, un projet humanitaire ou bien un projet associatif. Mm-hmm. Donc, on essaye, chaque candidate... Mm-hmm. Elle choisit son propre projet. Mm-hmm. Après l'événement, après le concours, ça sera un suivi à travers l'association. Mm-hmm. Donc, chaque candidate, déjà la Miss de l'année 2016, déjà elle est en France. Elle a participé dans un concours à Paris. D'accord. Donc, on essaye de faire le suivi avec les Miss. Oui, et c'était d'ailleurs ma question suivante. Après le concours, est-ce qu'il va y avoir une suite? Est-ce que vous suivez de près, surtout en ce qui concerne les projets que les Miss présentent? Est-ce que vous travaillez à ce qu'elles concrétisent ces projets? Oui, bien sûr, déjà, parce que déjà, nous sommes des membres dans l'association. Voilà. L'activité de concours de Miss Rand Tunisie, c'est une activité, pas plus. Oui. Mais nous sommes déjà des membres, tous les rentes. Il y a les participantes et il y a d'autres membres qui sont des membres adhérentes, c'est tout. Donc, on suit. Évidemment. Alors, Une dernière question pour les auditrices de RTCI qui sont à l'écoute et veulent bien participer à ce concours. Comment participer? Comment participer? C'est simple, envoyez vos photos et surtout vos coordonnées. Mm-hmm. Donc, le taille, le poids, l'auteur, le nom et le prénom, l'âge, le niveau culturel et tout sur notre page officielle. D'accord. Donc, par message, c'est simple. Voilà. Il n'y a pas de mail, il n'y a rien. Donc, la page officielle. La page officielle. Et surtout, envoyez vos photos. Voilà, les photos. Les photos. Photos, visage et portrait. Voilà. C'est simple, pas grand-chose. Sinon, ils peuvent vous contacter, vous, Lobna Bensmaïl. Et comme ça, vous pouvez les diriger. Oui, sur le Facebook. Voilà, sur Facebook. Sur Instagram. Toujours présente. Tous les moyens sont possibles. Merci beaucoup. Merci Lobna Bensmaïl. Merci pour l'invitation. Je vous remercie, vous aussi. Merci Lobna Bensmaïl, la présidente de l'Association tunisienne de soutien aux femmes rondes. C'était à propos de Miss Ronde 2017. Merci. Excellente journée. Bien, et à très bientôt, surtout pour la date du concours. Hein. Vous allez nous donner la date. Bien sûr. Merci. Avec plaisir. Merci. Excellente journée. Merci à vous de mal. Na 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 na. The smell of your skin lingers on me now. You're probably on your flight back to you.